Bonjour, aujourd'hui j'accueille Bernard Houdin, qui est le conseiller spécial de Laurent Gbagbo, le président de la Côte d'Ivoire, enfin celui qui aurait dû être président, mais qui a été chassé de manière curieuse il y a déjà quelques années. Il a été emprisonné à La Haye pendant 8 années, là, et il y a eu un procès qui vient de se terminer par son acquittement, mais bizarrement, il est libéré, mais à moitié, ce qui, moi, en tant que docteur en droit, me choque parce que ou bien on est acquitté et libre totalement, ou bien pas du tout. Et on va, avec Bernard Houdin, comprendre ce que cache ce procès par rapport au rôle de la France en Afrique, par rapport à la conception du droit international, par rapport au respect de l'égalité entre les nations. Mais pour les gens qui n'ont pas suivi cette affaire depuis le début, on va un peu planter le décor. D'abord, la CPI, c'est quoi? La CPI, c'est une cour pénale que les grandes nations ont voulu mettre en place il y a un peu plus d'une vingtaine d'années maintenant, et qui est régie par ce qu'on appelle le statut de Rome. Et ce qui est assez étonnant, c'est que dans le cadre de ce statut de Rome, 3 des grands pays qui sont au Conseil de Sécurité, les États-Unis, la Chine et la Russie, ne sont pas membres de la CPI, mais ont une influence, puisque par exemple, le procureur de la Cour pénale est validé par le Conseil de Sécurité. Donc les États-Unis ne sont pas membres de la CPI, mais ils utilisent la CPI pour pourchasser des... Indirectement, des dirigeants qui leur plaisent pas. Mais il ne faut surtout pas qu'on essaye de poursuivre un Américain. Le procureur vient d'en faire la très amère expérience avec l'Afghanistan. Et des Français? Les Français sont membres de du statut de Rome. Ils sont leaders, en particulier sur les événements africains. Et on remarquera jusqu'à aujourd'hui que l'essentiel des détenus ou des inculpés au statut à la Cour pénale sont africains. Donc on a parlé un peu d'un tribunal des puissants contre les faibles. Mais on va regarder. On ne va pas le dire comme ça, mais on va regarder. Alors, Laurent Gbagbo s'est retrouvé en 2011 à La Haye. Comment et pourquoi? Refaisons un petit tour en arrière. Gbagbo est élu en 2000, en octobre 2000, au terme d'un processus qu'on a appelé la transition militaire, qui venait après la chute du président Bédier avec un coup d'État du 24 décembre 1999, et à l'élection de 2000, qui a été relativement transparente. Il peut toujours y avoir des éléments qui peuvent dire à tel endroit, à tel autre, mais moi j'étais à Abidjan à l'époque, simple citoyen français, j'ai suivi tout ce débat, et politiquement, et physiquement, ça s'est bien passé. Gbagbo a été élu au premier tour, avec près de 60% des voix, la communauté internationale l'a reconnu, et dès le début, la France a commencé à mettre des bâtons dans les roues, si on peut dire. Et en 2002, il y a un fameux coup d'État qui ne prospère pas, mais qui se transforme en rébellion grâce à l'intervention de l'armée française qui, soi-disant, pour protéger les intérêts des Occidentaux qui sont dans le nord du pays, fait une interposition entre le nord et le sud, et que pendant de 2002 à 2011, on aura cette fracture de la Côte d'Ivoire. Bien. On va parler un peu plus fort à la demande de Véronique. On est dans une installation, un studio amateur, donc on va parler un peu plus fort. Donc, Gbagbo arrive au pouvoir, il va être réélu, et puis la France intervient. Pourquoi? Il est élu. Il y a ce fameux coup d'État dont je viens de parler, qui se transforme en rébellion. La France intervient, soi-disant, pour au début protéger les expatriés. Et en fait, c'est pour protéger les gens qu'elle avait plus ou moins mandatés pour faire ce coup d'État. Et pendant de 2002 à 2011, on va avoir une situation ni guerre ni paix en Côte d'Ivoire, avec une première partie qui va s'arrêter en 2007, au moment où Laurent Gbagbo, qui veut sortir par des élections, réussit à ce qu'on a appelé l'accord de Ouagadougou, en mars 2007, à faire la paix, entre guillemets, avec les rebelles. Soro Guillaume, le leader autoproclamé à l'époque, puisqu'on saura plus tard que c'est quand même Ouattara qui est derrière tout ça, donc Soro Guillaume devient le premier ministre de la Côte d'Ivoire, sous le gouvernement de Laurent Gbagbo. Bien fort. Et ça nous amène à l'élection de 2010, qui va créer cette crise. On a parlé de Ouattara, le rival de Gbagbo. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « Les Ouattara, une imposture ivoirienne » dans lequel on lit des choses très très étonnantes. En deux mots, c'est qui Ouattara? Ouattara, c'est l'archétype de l'instrument de la France-Afrique. Formé aux États-Unis, dans une grande université américaine, encore qu'il ait laissé de traces énormes. Et ensuite, aux fonctionnaires à la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, aux fonctionnaires dans le système de Bretton Woods, Banque Mondiale, FMI, et que Houphouët-Boigny appelle de façon assez étonnante... Le premier président de la Côte d'Ivoire, en 1990, sur la suggestion d'une dame qui s'appelle à l'époque Dominique Nouvian, qui est très proche d'Houphouët-Boigny, et qui dit à Houphouët, puisque tu veux mettre un homme du Nord en Côte d'Ivoire, prends ce gars-là. En plus, il n'est pas ivoirien d'origine, donc il ne va pas vous embêter pour l'héritage. Et voilà comment Ouattara est installé dans le paysage politique ivoirien. Donc ça, c'est l'agent de Paris et de Washington, Ouattara. 100%. D'accord. On a déjà un peu alors une idée pourquoi la France va se mêler des élections. En gros, il se passe quoi au moment de l'élection en 2011 ? D'abord, elles sont dans un contexte spécial, c'est qu'il y a toute une région du Nord qui a une guérilla avec des grandes puissances derrière et qui échappe au contrôle de la capitale. Depuis 2007, normalement, le pays devait être unifié, puisque Soro Guillaume a été mis Premier ministre, mais de 2007 à 2010, puisque l'élection a lieu entre octobre et novembre 2010, le gouvernement français ne fait rien pour accélérer, pour aider Laurent Gbagbo à mettre en place tout ce processus de réconciliation. C'est la stratégie du chaos, c'est essayer de diviser pour régner. On arrive au deuxième tour pour novembre 2010, et j'ai le souvenir d'une réunion avec l'ambassadeur de France de l'époque, qui était sans doute mandaté pour organiser tout ça, et qui me dit, je lui dis 3 jours avant le scrutin que pour moi Gbagbo va gagner, il y a 3 scénarios, Gbagbo gagne, Ouattara accepte, je n'y crois pas beaucoup à cause du personnage de Ouattara, Gbagbo gagne et Ouattara va vouloir créer un désordre pour dire j'ai encore été volé, etc. Mais dans des conditions où la Côte d'Ivoire en 2010, après 10 ans de difficultés, après, Gbagbo sera réinstallé, il n'y aura pas de souci. Et le 3e scénario, je lui dis, si on fait gagner Ouattara, si on fait gagner Ouattara, et là, je crains le chaos. Et la réponse de l'ambassadeur de France, Monsieur Houdin, je suis très inquiet, il n'avait pas l'air d'être très inquiet quand il en parlait d'ailleurs, je crains que nous s'achemine vers votre 3e scénario. On est 72 heures avant le 2e. Il sait déjà à l'avance comment les gens vont voter. Dans son bureau, en face à face. D'accord. Bon, ça donne un peu un contexte et on entend une déclaration très intéressante déjà des années plus tôt. Il y a quelqu'un qui dit « Laurent Gbagbo finira à la CPI au tribunal de La Haye ». C'est qui et dans quel contexte? On est dans le contexte de la suite du coup d'État avorté, de la transformation du coup d'État en rébellion et le go-between historique de la France-Afrique après la disparition d'Houphouët-Boigny et de Omar Bongo, c'est Blaise Compaoré. Et Blaise Compaoré dit en mars 2003... Blaise Compaoré, c'est l'homme qui a renversé Sankara, assassiné Editon, et qui est l'agent de la France au Burkina. Le compagnon de route, le compagnon de combat de Sankara, et qui fait assassiner Sankara pour prendre lui-même le pouvoir, et qui pendant 27 ans va être le dictateur du Burkina Faso et l'homme lige de la France-Afrique. Et donc c'est cet homme-là qui annonce que Gbagbo, dès 2003, donc bien avant les faits qu'on va lui reprocher plus tard, finira à La Haye. Dès 2003, il annonce Laurent Gbagbo finira à la CPI. Ça veut dire que lui sait que le tribunal de La Haye, c'est un instrument de la France et compagnie. Et il sait qu'à un moment ou un autre, la France aura une solution finale, si on peut dire, qui n'a pas manqué de se mettre en place. Bien. Alors, on va... se pencher maintenant sur qui va envoyer Gbagbo à La Haye. Ici, vous avez l'entrée du bâtiment très spectaculaire de la Cour pénale internationale à La Haye. Et apparemment, derrière ce transfert un peu forcé, il y a cet homme-ci. Il y a Nicolas Sarkozy, c'est évident. Il y a le procureur Ocampo. Et il y a aussi... la communauté internationale autour de la France et les États-Unis à l'époque, qui, sans être membres au statut de Rome, ont joué un rôle dans cette période-là. Et il faut dire aussi que la CPI Pour pouvoir envoyer un national à la CPI, il faut que le pays d'origine de ce national soit lui-même membre de la CPI. Oui. Or, la Côte d'Ivoire ne l'était pas. Donc, juridiquement, c'était intenable. On a violé la souveraineté d'un pays. Et dans mon livre, je rapporte, par exemple, un email de l'ambassadeur de France à l'ONU, le 6 avril 2011, quelques jours avant la chute du président Gbagbo, parce qu'il se prépare à faire tomber Gbagbo et à vouloir l'envoyer à la CPI. Et il dit, on ne pourra pas passer par le Conseil de sécurité, qui était une solution potentielle. Vous voyez, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. La CPI n'est pas directement les Nations Unies, mais le Conseil de sécurité peut envoyer quelqu'un à la CPI. Et l'ambassadeur de France dit, le Conseil de sécurité ne souhaite pas, il n'y aura pas de majorité pour. Et par exemple, le représentant de l'Inde, donc l'ambassadeur qui est le collègue de M. Gérard Araud dit que le collègue indien est hystérique sur la question. C'est-à-dire que les Indiens ne veulent pas entendre parler de ça parce qu'ils ne veulent pas qu'un jour, un national indien, mettons dans une affaire indo-pakistanaise, puisse se retrouver à la CPI dans ces conditions-là. D'accord. Donc déjà à Paris, on se rend compte que ce qu'on fait n'est pas très correct. Non. Et le procureur lui-même le sait très bien. Oui, on va venir à ça. J'ai envie de... Il y a des choses très très intéressantes dans ce livre Bernard Houdin, Gbagbo, un homme, un destin, édité chez Max Milo. Et notamment, donc, l'arrestation, le transfert forcé de Gbagbo va se dérouler le 11 avril, si je ne me trompe. Son arrestation est le 11 avril. Son arrestation et son transfert... Oui, son 30 novembre 2011. Et le transfert plus tard. Mais l'arrestation, le 11 avril, il est à ce moment-là kidnappé par la France, on doit bien dire comme ça. Et là, vous avez dans votre livre quelque chose de très intéressant. C'est un responsable des droits de l'homme au Quai d'Orsay qui s'appelle Alexis Lamec et qui écrit à ses collègues donc, le 6 avril 2011... qu'en fait, la France va reprocher à Gbagbo des massacres commis dans le Nord contre une ethnie, mais, dit Alexis Lamec, il n'y a pas seulement les massacres de gens dans le Nord, mais il y a aussi des massacres de Bété par les forces que nous soutenons, les forces de Ouattara, et il dit déjà lui-même le 6 avril, en fait, nous devons nous demander ce que nous devons faire, parce que la responsabilité de protéger s'applique à nous aussi. Et donc, ça veut dire qu'il dit que Ouattara n'est pas clean et que la France est tout à fait partiale en soutenant Ouattara sous prétexte de problèmes de violence. Oui, et en plus, il dit aussi que l'armée française pourrait être impliquée. Oui, oui. Comme responsable ou co-responsable. Et à un moment donné, il parle à propos il fait une allusion à Douékoué, qui vient de se passer quelques semaines avant. Oui. Et aujourd'hui... il faut expliquer qu'est-ce que c'est. Douékoué, pour être très simple, c'est un oradour sur glane ivoirien commis par les forces de Ouattara le 29 mars 2011. Un massacre contre un village. Contre un village où plus de 1000 personnes sont massacrées en une journée, hommes, femmes et enfants, dans des églises, etc. Voilà. Ça, c'est important parce que Sarko et à sa suite Hollande et toute la France officielle a toujours prétendu qu'elle agissait pour les droits de l'homme, contre des violations, contre des crimes commis par Gbagbo. On va y venir, mais en fait, elle cache complètement les crimes commis par les milices de Ouattara. Et Lamec dit dans son email... qu'on demande à l'ONUCI, c'est-à-dire les Nations Unies en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui s'est passé véritablement à Douékoué quelques jours après. C'est pas possible que la France puisse ignorer 15 jours après ce qui s'est passé à Douékoué, alors que les forces françaises étaient quasiment sur place. Et une chose pour finir sur Douékoué, c'est que aujourd'hui les responsabilités sont bien établies et le responsable en chef sur place, l'officier qui a dirigé tout ça, vous savez où il est aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Il est patron du bataillon de l'Ouest, c'est-à-dire de la région de Douékoué. Donc la France est vraiment en train de contrôler le pays directement. Et ce monsieur, qui devrait être absolument dans une cour pénale, est aujourd'hui le chef militaire de la région. Donc les innocents sont en prison et les criminels sont au pouvoir. Alors, le procès, vous l'avez suivi, il s'est déroulé pendant très longtemps à La Haye. Vous avez suivi ça de près en tant que conseiller spécial de Laurent Gbagbo. Dans ce procès, on a donc Laurent Gbagbo, le principal accusé, on va dire, à la gauche sur l'image. Au milieu, on aura Blaise Compaoré, qui est un de ses ministres, qui est aussi accusé. Et à droite, on a la procureure, la chef du parquet de ce tribunal, qui s'appelle Bensouda. Fatou Vous pouvez Bensouda. Nous dire un petit peu comment ça s'est passé entre ces protagonistes? Il s'est passé déjà que Fatou Bensouda a repris le dossier en route, puisque le chef d'orchestre au départ, c'est Moreno Ocampo. oui. Dont on verra plus tard qu'il joue un rôle. Mais on peut venir directement, effectivement. Ocampo, c'est le barbu là, qui est avec Ouattara. Oui, ça, il vient donc en Côte d'Ivoire. Quand et pour faire quoi? Là, il n'est pas en Côte d'Ivoire. Il est dans l'appartement de Madame Ouattara à Paris. Ah d'accord, à Paris. C'est le samedi qui précède le transfert de Gbagbo à La Haye. Donc on a le procureur d'un tribunal qui vient voir une des deux parties au conflit dans sa maison privée. Dans sa maison privée, et qui organise à ce moment-là le transfert de Gbagbo 4 jours après, à La Haye, dans des conditions iniques. Pour ceux qui n'ont pas suivi ça, Ocampo a été plus tard, beaucoup plus tard, il y a eu des révélations sur lui, il a dû démissionner parce qu'en fait c'est un corrompu énorme et on a trouvé qu'il avait beaucoup d'argent dans les Panama Papers, donc à Panama, et donc d'où vient cette fortune? Mais malheureusement il n'a pas démissionné, mais il est arrivé en terme du mandat. Et oui, c'est après le mandat. Mais après le mandat, les révélations sont apparues sur d'abord des problèmes de harcèlement sexuel sur une journaliste sud-africaine. Mais à l'époque, il n'y avait pas encore le syndrome Harry Weinstein, donc c'est passé à l'as. Il y a eu ensuite un certain nombre de faits de corruption, puisqu'on révèle qu'il a des comptes bancaires dans les Panama Papers. Et il a aussi eu un retournement de veste dans l'affaire du Kenya, avec le président Kenyatta, parce que dans un premier temps, il cherche à l'envoyer à La Haye, par tous les moyens, même les plus illégaux, il le dit lui-même dans des emails, et quand il s'en va, il se tourne vers Bensouda, qui lui a succédé, pour lui dire « il faut sortir Kenyatta par le haut », c'est-à-dire qu'il cherche après à innocenter l'homme qui voulait accuser Kenyatta. Et on le retrouve en Libye, à se proposer comme consultant pour une faction libyenne, pour lui dire « voilà comment empêcher vos gens d'aller à la CPI, je connais le chemin pour couper la route de la CPI », et il encaisse 500 000 $. Donc ça fait penser à Barroso, l'ancien président de la Commission européenne, qui est censé protéger la population contre les multinationales, et puis qui dès qu'il a fini son mandat, il va se faire payer grassement par Goldman Sachs pour faire le contraire de ce qu'il était censé faire. Vous avez un... Ok. Voilà. On était donc sur Bensouda qui a succédé à Moreno Ocampo. Comment s'est passé le procès? Donc elle était l'accusatrice principale et on l'a vu. Alors il y a deux phases dans le procès parce que la CPI a une particularité, c'est qu'il y a un premier procès qu'on appelle le procès de la chambre préliminaire qui doit confirmer les accusations du bureau du procureur. Et c'est au terme de ce procès préliminaire que l'inculpé est renvoyé dans le procès principal. Et pour Laurent Gbagbo, il faut savoir quand... D'abord, ils ont mis... Gbagbo est arrivé le 30 novembre 2011 à la CPI, et la chambre préliminaire a commencé son procès en 2013, en février 2013. Et en mai 2013, elle doit donner son verdict. Est-ce que Gbagbo est renvoyé ou pas renvoyé au procès principal? Et là, on découvre dans des emails qui ont été hackés chez Ocampo un dialogue extraordinaire. Oui, vous l'avez dans votre livre et je crois que ça vaut la peine de le citer textuellement parce que, je veux dire, dans nos médias, on parle de la CPI comme une institution respectable, c'est un progrès dans la justice internationale, c'est quelque chose de désintéressé, qui respecte les critères juridiques. Mais dans les mails qui ont fuité, on a un échange donc en mai 2013, donc Gbagbo est déjà à La Haye depuis 1 an et demi, et le procès a commencé. Et c'est justement en l'attente du verdict de la chambre préliminaire. Voilà, dans l'attente de ce premier verdict. Alors je lis ces emails parce que ça vaut vraiment son pesant de corruption. Une dame qui s'appelle Béatrice le Fraper du LN, donc c'est une diplomate française, elle écrit en mail à Gbagbo. Il faut préciser que Béatrice le Fraper du LN est à ce moment-là à la mission française à l'ONU, mais elle vient d'arriver et pendant 6 ans, elle a été l'assistante d'Ocampo à la CPI. Elle a été l'assistante d'Ocampo, donc ils sont très proches et elle sait de quoi elle parle. Et elle écrit en anglais, mais je traduis. Ils disent que Gbagbo va être relâché le 28 mai. Et Ocampo réplique horrifié « Qui a dit ça? Oh non !» Plusieurs points d'exclamation. Et le 30 mai, le dialogue reprend. Béatrice le Fraper dit « Les juges vont demander plus d'informations. À quel propos ?» répond Ocampo. Et le 1er juin, elle conclut « Voilà, ils veulent tout simplement, ils n'ont pas assez de preuves. Cette juge belge qui fait partie du tribunal là, qui juge Gbagbo, dit qu'elle ne croit pas, je cite, « Elle ne croit pas au mode de responsabilité qui a été retenu contre Gbagbo ». Donc, ça, il y a des leçons à tirer de cet échange de mails. Premièrement, comment elle est au courant de choses dont elle ne devrait pas être au courant. Et deuxièmement, ça veut dire que Ocampo va tricher, parce que là, on est en 2013, et que Gbagbo va rester encore à La Haye quasiment 5 ans. Mais Ocampo ne triche pas, mais c'est son successeur qui suit l'affaire, Madame Bensouda. Oui. Et je pense qu'elle-même, elle est soutenue par la France, parce qu'il y a un voyage éclair de Fabius dans la période, le 28 mai, qui était le jour normalement du verdict, il n'y a pas de verdict. Donc Fabius joue un rôle aussi. Et début juin, pour la première fois, et de façon un petit peu dirimante du droit de la CPI, oui. Le procureur obtient un ajournement pour avoir la possibilité de renforcer son dossier pour arriver à des conclusions négatives. Donc, si on comprend bien, dans ce soi-disant tribunal international avec des juges, une procédure et tout, quand les choses ne tournent pas comme le gouvernement de Paris, on est dans le nouveau gouvernement, Fabius c'est le ministre de Hollande, Sarkozy c'est fini, quand les choses ne tournent pas comme Paris le juge, on envoie un ministre pour dire aux juges ce qu'ils doivent faire. C'est ce qui a dû se passer, puisque les deux juges, l'allemand et la belge, Mme Wingart, avait décidé de libérer Gbagbo. Au contraire de la juge principale, qu'il faut le dire, avant d'être la juge dans l'affaire Gbagbo, était l'assistante d'Ocampo aussi, et argentine comme Ocampo. Alors vous voyez qu'il y a une consanguinité malsaine dans toute cette affaire. Et donc, ils obtiennent le 4 juin un jugement qui demande au procureur d'augmenter sa capacité à prouver que Gbagbo est coupable. Et on repart pour un an. Et en juin 2014, Gbagbo est finalement renvoyé. Or, la juge belge qui avait émis ces conclusions en 2013 fait ce qu'on appelle une opinion dissidente pour dire « jamais Gbagbo doit être renvoyé, le dossier est creux, on vous avait donné un an pour remettre un certain nombre de preuves potentielles, vous n'avez rien changé, votre dossier c'est un coupé-collé de rapports d'ONG et de coupures de presse. Donc, sans valeur juridique. Le dossier est vide. Le dossier est vide. Bien. Ça, c'est quand même intéressant, je m'excuse. Je finis là-dessus parce que c'est grave. C'est que puisqu'il y avait deux juges contraints en 2013 pour acquitter Gbagbo, qui ont quand même accepté l'ajournement, et pourquoi Gbagbo est renvoyé au jugement final en 2014. La juge belge n'a pas changé d'avis, la juge argentine contre Gbagbo n'a pas changé d'avis. Donc c'est le juge allemand qui a tourné Kazakh. Or, il s'avère que le juge allemand, le jugement est donné le 12 juin, le juge allemand démissionne le 20 juin alors qu'il lui reste un an de mandat, et le 20 juillet, il est enterré. Ah oui. Et on avait demandé une expertise médicale du juge, qui a été refusée par la CPI. Le juge était mourant quelques mois avant. Il n'assistait pratiquement plus aux réunions. Et on peut se poser la question légitimement aujourd'hui, est-ce qu'il a assisté au délibéré qui a conduit Gbagbo? Et la CPI doit nous répondre un jour. D'accord. Donc, c'est intéressant parce que c'est vraiment important, parce que dans les médias, on n'a absolument rien entendu de tout ça. La CPI est quelque chose présenté comme un ange de la vertu et Gbagbo comme forcément coupable puisqu'il est jugé là-bas, il a été vraiment jugé d'avance. Et là, on apprend que c'est vraiment des magouilles, de la corruption et une violation du droit. Bon, on ne pourra pas détailler tout ce procès, mais le bouquin, je vous le recommande. Maintenant, là, récemment, Laurent Gbagbo a été acquitté, mais comme je le disais en intro, il est acquitté, mais pas tout à fait, on dirait. C'est quoi exactement son statut pour le moment? Pour balancer un peu équitablement des éléments qui sont positifs ou négatifs à la CPI, il y a un élément positif qui est venu dans les derniers mois, c'est que la Chambre de première instance, dirigée par le juge italien Cuno Tarfusser, a fini par dire le droit. Parce qu'on parle de la CPI en général, mais la CPI, il y a le bureau du procureur, il y a les juges, et puis il y a les accusés éventuels et puis la défense. Mais moi qui ai assisté à toute l'évolution du procès de janvier 2016, du 28 janvier 2016 au 15 janvier 2019, c'est-à-dire pratiquement 3 ans, on a vu l'évolution des juges, en particulier du juge principal, qui au début était relativement négatif sur Gbagbo, connaissait pas très bien le dossier, mais au fur et à mesure de l'évolution des choses, du passage des témoins de l'accusation, a commencé à comprendre que ce dossier était un fake news. Donc ça veut dire que les témoins de l'accusation convoqués par la procureure pour charger Gbagbo, en fait, prouvent le contraire. Mais ce qui est extraordinaire dans ce dossier, c'est que le bureau du procureur nous dit en janvier 2016, on va démontrer très facilement le plan commun. Nous avons 132 témoins qui vont passer, 436 témoins qui vont passer, et ça va être vite réglé. 3 ans après, ils avaient passé 82 témoins. Ils ont annoncé qu'ils n'en passaient pas un de plus. Et à ce moment-là, le juge de la Chambre a dit aux deux parties, faites-nous un état des lieux à ce qu'ils appelaient le mid-brief trial, c'est-à-dire la mi-parcours du procès. Les deux parties ont remis leurs conclusions et la défense a profité pour dire, dans ces conditions-là, nous demandons de plaider l'acquittement immédiatement sans avoir besoin de passer nos propres témoins. On va s'appuyer sur les dires des témoins de l'accusation. Ah oui, ça c'est original. L'acquittement a été obtenu dans ces conditions-là. Et ça a été révélé à la fin par le juge principal qui a dit, puisque le procureur voulait des circonstances exceptionnelles pour maintenir Gbagbo en prison, il a dit, mais les circonstances exceptionnelles dans ce cadre-là, c'est que le fait que la défense ait pu plaider et obtenir l'acquittement sur les témoins de l'accusation et seulement les témoins de l'accusation. Oui, c'est assez original. Et d'ailleurs, Maître Altit avait commencé sa plaidoirie sur une phrase formidable que je vous laisse lire. Oui, justement, à la page 305 du bouquin, donc le principal défenseur de Gbagbo dit « Aucune déclaration ni aucun document n'expose explicitement la volonté de Gbagbo ou de son entourage immédiat de rester au pouvoir, même en usant de violence envers des civils. » Et il ajoute, « Tout cela est dit et par qui? Par le procureur lui-même, parce que ce que je viens de vous lire vient de sa déclaration écrite au paragraphe 1109. » Donc en fait, la procureure, dans son dossier, un peu maladroitement, avait reconnu que son dossier était vide. Bah, la phrase, on ne peut pas dire mieux. Voilà. On ne peut pas dire mieux. C'est vraiment un procès politique. Ça veut dire qu'on a gardé Gbagbo là-bas, pour empêcher qu'il y ait de nouveau un débat politique en Côte d'Ivoire et une contestation du faux président Ouattara. C'est uniquement une décision politique de garder Gbagbo au frigo, en fait. Au début, ça a été ça, et au fur et à mesure que le temps passait, parce qu'il ne faut pas oublier deux choses, il y a le problème de la CPI et il y a le problème de la Côte d'Ivoire, en arrière-fond, oui. Et la Côte d'Ivoire aujourd'hui va mal. Et la Côte d'Ivoire va mal parce que l'imposition de Ouattara et de son système à la Côte d'Ivoire, la greffe n'a pas pris. Et aujourd'hui, on voit même que les alliés d'hier, puisque le PDCI avait été entraîné par les Français dans le cadre du RHDP avec Ouattara, le PDCI a claqué la porte. C'est une alliance de partis. A claqué la porte. Le PDCI est venu en délégation très officielle saluer Gbagbo à Bruxelles il y a quelques jours. Et à Abidjan, l'ensemble de l'arc politique est en train de se réunifier contre Ouattara. Et aujourd'hui, il est très urgent que tout se termine dans la procédure CPI pour que Gbagbo soit au milieu des Ivoiriens comme un élément modérateur, fédérateur, et que les Ivoiriens choisissent eux-mêmes leur propre destin, et que ce ne soit pas ce qui s'est passé depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui. Le fond de ce dossier, c'est plutôt un fond économique, c'est de savoir qui va contrôler les richesses de la Côte d'Ivoire? Est-ce que ça va être les multinationales françaises et occidentales? Ou est-ce que ça va être les dirigeants ivoiriens qui vont les utiliser pour sortir les gens de la pauvreté? Au fond, Gbagbo, c'est un peu un Chavez de l'Afrique. Et il avait, peut-être pas si radical, mais il avait quand même l'intention de défendre la souveraineté de son pays et que les richesses profitent contre la pauvreté. Je dirais, je ne ferai pas d'allusion, Gbagbo et ceci ou cela. Moi, je sais qu'une chose avec Gbagbo, je l'ai côtoyé depuis de nombreuses années maintenant, c'est fondamentalement un démocrate. C'est un homme qui a été formé à l'occidental, puisqu'il a un doctorat d'histoire de la Sorbonne. C'est un monsieur qui est très ouvert, qui est totalement étanche aux problèmes financiers, pour lui. Mmh. Pas de fortune, pas de compte en Suisse. D'ailleurs, la CPI a payé tout le procès, puisque Gbagbo a été déclaré indigent financier après des recherches dans le monde entier. On a pas ça, c'est rare parmi les chefs d'État africains. Il faut le dire. Mmh. Et Gbagbo dit toujours, d'ailleurs, si vous faites de la politique, vous ne serez pas riche. Si vous devenez riche, faites du business, mais pas de politique. Mmh. Si vous faites de la politique et vous devenez riche, vous êtes un voleur. Donc ça, c'est clair. Et aujourd'hui, Gbagbo, c'est un homme qui ne cherche pas à nuire aux autres. Il cherche à ce que les choses fonctionnent. Moi, j'ai une origine française. J'ai la double nationalité, mais j'ai de l'origine française. Mmh. J'ai été dans les mêmes écoles que Gbagbo Abidjan, d'ailleurs, parce qu'on était dans le même lycée quand on était jeune. Je l'ai appris beaucoup plus tard quand je l'ai côtoyé. Gbagbo n'est pas contre la France. Gbagbo n'est pas contre les États-Unis. Gbagbo a écrit un très beau texte à l'élection d'Obama dans son premier mandat, qu'il avait signé d'ailleurs en docteur en histoire et pas en tant que président ivoirien, qui était assez prémonitoire sur le mandat d'Obama d'ailleurs. Et Gbagbo ne cherche pas à lutter contre les autres, il cherche l'intérêt de son pays. Mmh. Et si l'intérêt de son pays, c'est de collaborer avec les uns les autres, il n'y a aucun problème. Le seul problème, c'est qu'il faut que la Côte d'Ivoire puisse être maîtresse de son destin, au départ, et en sachant tout à fait que la Côte d'Ivoire est dans le cercle des nations. Mmh. La Côte d'Ivoire est aux Nations Unies, la Côte d'Ivoire est dans les organisations internationales, elle doit respecter un certain nombre de règles, et Gbagbo n'est pas contre ça. Gbagbo est pour la souveraineté nationale qui n'est pas contre les autres. Il y a quelque chose qu'on a discuté en préparant pour comprendre le fond de cette histoire. J'ai posé tout à l'heure la question, tiens, bon, Sarko, manifestement, il avait un intérêt très personnel dans l'affaire, il s'est fort impliqué. Il a été remplacé par François Hollande en 2012. Quelle a été l'attitude de François Hollande sur cette affaire? Parce que tout de même, Laurent Gbagbo était un membre important de l'international socialiste, l'international DPS. François Hollande socialiste, on aurait pu s'attendre à ce qu'il vole au secours de Gbagbo. Ben, vous savez qu'au moment de l'élection de 2012, il y a une très forte mobilisation de la diaspora africaine binationale en France. Mmh. Je l'ai vécu. Beaucoup d'Africains français, d'origine diverses d'Afrique, Côte d'Ivoire, Sénégal, etc., se sont inscrits sur les listes électorales, ont inscrit leur famille pour faire tomber Sarkozy. Et c'est peut-être plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont fait ça. Et quand on voit le résultat final de 2012, où on est à moins d'1 million de voix entre Sarkozy et Hollande, cette masse-là a favorisé Hollande. Mmh. Et malheureusement, dès le lendemain, il y a eu le sentiment que Hollande poursuivait la politique de Sarkozy. Oui, après les promesses électorales, il y a eu les réalités continues. La France-Afrique. Et à ce propos-là, vous parliez du Parti socialiste, je voudrais donner une anecdote. Un des députés socialistes qui a été pro-Gbagbo dans le cadre de l'international socialiste, était interrogé un jour dans son bureau de l'Assemblée nationale. Et on lui pose la question, mais vous, en tant que socialiste, vous n'avez pas fait grand-chose pour votre frère de la Côte d'Ivoire. Et il dit, vous savez, le Parti socialiste est un grand parti, à l'époque, mais qui est parcouru par de nombreux courants. Et Madame Ouattara est une femme très riche, elle savait y faire, et elle a fait ce qu'il fallait pour retourner Strauss-Kahn et Fabius. C'est pas moi qui le dis, c'est ce député socialiste à l'Assemblée nationale. Donc c'est le business qui contrôle la politique pour empêcher la justice. Et pour empêcher, et on l'a vu jusqu'à aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le problème, c'est que l'enfant du système, Ouattara, est dans une très mauvaise passe en Côte d'Ivoire. Et là, les intérêts économiques français risquent d'arrêter de jouer en se disant, si on maintient Ouattara, si la Côte d'Ivoire va dans le mur, que fait-on? Donc il faut peut-être avoir une idée de rechange. Oui. Et ça, c'est... Donc, l'intérêt du peuple ivoirien est que Gbagbo soit totalement acquitté, totalement libéré, et qu'il puisse de nouveau jouer un rôle politique en Côte d'Ivoire. On a une intervention de Anne qui dit, ben, la discussion là, dans le chat, était quel est le tort de Gbagbo? Réponse de Anne, il voulait servir les intérêts de son peuple, il voulait faire en sorte que ses citoyens n'aient pas à migrer vers l'Europe, il voulait sortir du franc CFA, Il voulait que les richesses de son pays profitent à son peuple plutôt qu'à l'oligarchie occidentale. Voilà en gros son tort. C'est ce que devrait faire n'importe quel homme politique qui veut faire avancer son pays, que ce soit la Côte d'Ivoire ou ailleurs. Et en Côte d'Ivoire, Gbagbo était totalement déterminé. Il est toujours totalement déterminé à ce que son pays, sous la forme, lui, choisira de la puni pour avoir défendu son peuple. Voilà, mais... Un mot de conclusion peut-être. La CPI ne s'est pas occupée seulement de Gbagbo. Il y a d'autres pays dont elle s'occupe, puis il y a des pays dont elle ne s'occupe pas. La CPI, c'est la Cour internationale des puissants contre les pays faibles. Bah, il y a un exemple formidable, c'est l'histoire de l'Afghanistan. Madame Bensouda a dit, mais moi je ne vais pas simplement aller en Afrique, puisqu'on lui reprochait en tant qu'Africaine de se... penché que sur des cas africains, dit « mais vous voyez, en Afghanistan, les Américains se comportaient très mal, bombardement de civils, etc. » Les Américains n'étant pas à la Cour pénale, ils ne pouvaient pas envoyer des Américains, mais le procureur peut essayer par différentes autres approches, dont une est ce qu'on appelle le proprio motu, c'est-à-dire le procureur se saisit d'un dossier. Et là, les Américains ont commencé à élever la voix. M. Bolton a commencé à prendre des positions très dures sur Mme Bensouda, jusqu'à lui supprimer son visa pour aller aux États-Unis. Et récemment, la chambre de la CPI a interdit à Mme Bensouda d'aller s'occuper de l'Afghanistan avec la conclusion suivante, vous n'avez aucune chance de gagner. Donc occupez-vous plutôt des petits dossiers où on a peut-être une chance. Donc tapez sur les Centrafricains, tapez éventuellement sur les Ivoiriens, sur les Sénégalais si jamais ça se passe mal au Sénégal, ou sur la... Bachir au Soudan, etc. Ok, donc c'est vraiment un tribunal très spécial avec les juges qui disent aux procureurs qu'ils ne peuvent pas poursuivre quand les intérêts se contredisent ceux des États-Unis ou de la France. Non seulement les intérêts se contredisent, mais on risque de ne pas gagner. Voilà. Et contre les Américains, on a que ces pays ne peuvent pas gagner. Pardon. Bon, ben voilà, je crois qu'il pourra faire réfléchir sur l'ensemble de la CPI. Comme quoi il n'y a effectivement actuellement pas de justice internationale. On va conclure en rappelant... un petit mot de conclusion. Il y a une justice internationale qui s'est exprimée le 15 janvier. Parce qu'il faut rendre hommage aux juges le 15 janvier. Ils ont dit le droit. Moi, j'avais écrit dans mon livre quelques jours auparavant qu'ils n'avaient que deux solutions, l'acquittement ou la forfaiture judiciaire. Et seul l'acquittement était envisageable. Et 4 jours ou 5 jours après l'apparition de mon livre, je l'avais écrit un petit peu avant, l'acquittement a été prononcé. Aujourd'hui, il y a cette phase ni guerre ni paix pour la sortie du président, mais il faut reconnaître aux juges qu'ils ont voulu dire le droit. Parce qu'ils se sont fondés sur le dossier lui-même. Il y a une chose qu'on aurait dû signaler, c'est que, bon, j'ai participé moi-même un peu à une commission d'enquête sur la France-Afrique contre Gbagbo, il y a quelques années à Paris. Et ce qui m'avait frappé, c'est qu'il y a eu une mobilisation très forte des Ivoiriens de France et d'ailleurs, qui se sont rendus, il y a d'ailleurs des affiches qui ont été circulées, mais ils se sont rendus très régulièrement, tous les mois, à La Haye, où le procès avait lieu. Il y avait de grands rassemblements, qu'il fasse beau ou qu'il fasse dégoûtant, et il a été soutenu par une grande partie de la diaspora, et ça a joué un rôle dans le fait que ce procès n'a pas été enterré. Deux anecdotes pour finir. Une... J'ai beaucoup voyagé dans toute cette période, en particulier en Afrique. J'ai rencontré beaucoup de responsables, et pratiquement en Afrique australe, partout, il y avait un engouement pour Gbagbo, assez extraordinaire, en Afrique du Sud, au Botswana et dans d'autres pays d'Afrique. Et une deuxième anecdote, vous parliez de La Haye et des visites régulières de la diaspora. Un jour, nous étions sur le champ qui s'appelle Maliveld, qui est la grande plaine en face de la gare centrale de La Haye. Et au terme d'un meeting où il y avait plusieurs milliers de personnes, je me dirigeais vers un hôtel pour une réunion de responsables. Et en marchant, je me suis fait rattraper par un officier de police néerlandais qui me dit, il m'avait vu sur la tribune, et il m'a dit, mais est-ce que vous pouvez m'expliquer c'est qui ce monsieur qui est là-bas? Parce que de mémoire de policiers hollandais, nous n'avons jamais eu ça. Ok, la preuve que la mobilisation paye et qu'il ne faut pas se décourager. Je rappelle que le livre de Bernard Houdin, Gbagbo, un homme, un destin, chez Max Milo, vous ne le voyez pas très bien parce qu'on a un grand reflet, mais on l'affichera. intéressant pour comprendre les enjeux stratégiques de l'Afrique. Et il y a un chapitre sur toute l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est le fameux manuel stratégique de l'Afrique de Saïd Bouamama en 2 tomes, avec les 2 couvertures comme ça. Intéressant pour creuser l'ensemble de la stratégie derrière ces procès. Nous allons avoir un Michel Midi spécial ce 24 mai avec Romain Migus, c'est un journaliste français, un jeune journaliste français. Lui, il dit que depuis le temps qu'on s'est connu, il est plus si jeune, mais bon, comparé à moi quand même, il a vécu très longtemps, une quinzaine d'années au Venezuela, il connaît ça vraiment très bien, je pense que c'est une des personnes en Europe qui connaissent ça le mieux. Et j'ai choisi pour l'interroger sur la diabolisation du Venezuela, un titre bien provoque, « Qu'est-ce que les Gilets jaunes en ont à foutre du Venezuela ?» Parce qu'effectivement, on va creuser que vaut notre information sur le Venezuela, quels sont les liens entre les Gilets jaunes et la révolution de Chavez et puis de Maduro, qui a causé le chaos économique, quels sont les liens entre Exxon, la CIA, Macron et Juan Guaido, pardon, là aussi un président autoproclamé par des puissances étrangères. Et puis avec Romain, on va creuser qu'est-ce que la guerre de 4e génération, c'est un concept qui n'est pas très connu, mais vous allez voir que c'est très intéressant. On va évidemment demander est-ce qu'il faut se préparer à une guerre, une invasion du Venezuela? Comment nous protéger contre la désinformation? Vous allez voir, ça va être absolument passionnant avec Romain. Et c'est vendredi, donc, un vendredi spécial Michel Midi. Si vous vous inscrivez à la newsletter d'Investir Action, ce que je vous recommande, vous allez avoir toutes les informations là-dessus. Je vais... dire peut-être un petit mot personnel là qui n'engage pas du tout mon invité, c'est qu'il faut penser à tout ça dans les votes qui vont avoir lieu à la fin de la semaine. En France, on vote pour l'Europe, en Belgique, on vote pour l'Europe et aussi pour le gouvernement national et les régionaux. Il faut se poser les questions, est-ce qu'il y a des partis qui sont avec des vraies positions contre la France-Afrique, contre le kidnapping de dirigeants étrangers, contre les guerres des États-Unis, contre les médias mensonges sur le Venezuela? Je crois que ça doit être des critères de jugement, parce que quand on vote, mais on va donner le pouvoir à des gens qui vont envoyer des bombes, qui vont faire des kidnappings, qui vont envoyer des sanctions, qui vont tuer des millions de gens. Il ne faut pas sous-estimer ça, on en a déjà parlé dans Michel Midi. Donc je crois que c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'œil. Il faut, si vous avez encore le temps, poser les questions aux gens pour qui vous envisagez de voter. Est-ce que vous allez avoir une position qui respecte les droits du Sud, qui respecte les droits des pays du tiers-monde, qui respecte la souveraineté des nations et qui n'est pas aux ordres des multinationales, parce que là, on a eu trop de gouvernements en France, en Belgique, aux États-Unis, qui ont apporté le malheur et les bombes un peu partout, et il est temps que ça cesse. Voilà, un tout grand merci Bernard Houdin pour cette intervention très très éclairante. Je crois qu'avec le bouquin, on apprendra encore plus, et quelque chose me dit qu'on n'a pas fini d'entendre parler de Laurent Gbagbo et du peuple ivoirien. J'espère.